monde, j'espère que... Bah vous allez bien. Je vais pas dire que vous m'avez manqué, ça serait un mensonge, mais vous m'avez manqué. J'espère que vous allez bien. Moi écoutez, bon bah, comme d'hab, hein, comme à peu près toutes les deux semaines, bah, je pars internet, hein, ça commence à devenir une petite tradition. Je rentre hier, pas mercredi, hein, je rentre hier tranquille de la maison, je vous avoue que j'étais dehors, j'étais en train de drifter, voilà, hein, on va pas se mentir, j'étais en train de drifter dans ma BMW, tu vois. Bon, je commence à ouvrir la fenêtre, à cracher sur les rageux, sachant que j'étais en plein drift, ça me revenait en pleine tête, mais c'était quand même le plaisir, tu vois. C'est mon petit plaisir quotidien, voilà. Bon, c'était une bonne après-midi, tu vois, jusqu'ici. Donc, je driftais au Kamzer. Après, je me dis, bon, allez, on arrête les conneries, il faut rentrer à la maison. Au bout d'un moment, ça va, je commence à plus rien voir. Mes yeux étaient totalement hydratés. Donc, je rentre à la baraque. Je me dis, c'est bizarre. Depuis mon téléphone, j'arrive pas à scroller sur Twitter. Donc, je me dis, ok, wait and see. Je vais sur le PC de stream et là, je me dis, il y a Anguille sous le trou de balle à loulou. Je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe, les gars? Putain, je comprends pas, j'ai pas internet, c'est la merde. J'espère que ça va pas recommencer cette connerie. Donc, ce qui se passe, c'est que là, ni une ni deux, je vais me laver parce que j'étais dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Ni deux ni trois, je fais la bise à Sophie. Hop hop, ça va, ouais, elle rentre du boulot, ça fait plaisir. Ni trois ni quatre, je mange un yaourt parce que j'avais la dalle. Ni quatre ni cinq, j'envoie un SMS à le fouille pour lui dire que j'étais en détresse. Et ni six ni sept, commence à prendre le téléphone et là j'appelle SFR. Parce que bon, encore une fois, moi j'ai le bras long. J'appelle un numéro, boum, moi c'est service VIP direct. Je rigole pas avec ces conneries. Donc j'appelle le service VIP SFR. Ils appellent ça la cellule VIP. Ça rigole pas, c'est une cellule. Il y a tous les mecs qu'on peut internet, on les met dedans et on leur nique leur mère tout le temps. C'est la cellule VIP SFR. Ça fait plaisir, je suis dedans, je suis le boss. Je suis au milieu de la cellule, hein. Moi je suis celui qui prend cher. Je prends des coups de coude de la part de tous les autres qui n'ont pas internet aussi, tu vois. J'appelle la cellule VIP. Je fais bon, les gars, faut savoir que la cellule VIP, quand tu l'appelles, ils disent ouais, on peut pas, on n'a pas reconnu ton numéro. Bah tiens, les gars, là normalement vous allez entendre. Écoutez bien. Bonjour, nous ne sommes pas parvenus à vous identifier. Veuillez saisir les 10 chiffres de la ligne concernée par votre demande. Donc là, je vais saisir les 10 chiffres. Bienvenue à votre cellule VIP SFR. Cellule VIP SFR. Un problème technique. T'entends? Tapez 1. Ça veut dire qu'à tout moment, j'appuie sur 1. Regarde, regarde bien. C'est un truc que tu connaîtras jamais de ta vie, cousin. Tu vois, j'appuie sur 1. Hop, voilà, je suis déjà en relation avec le service VIP. Tu vois le délire, c'est des trucs que tu connaîtras pas, frérot. Il est quelle heure? Donnez-moi l'heure, il est 19h16. Là, maintenant, dans l'état actuel des choses, t'appelles à 19h16, on dit d'aller te faire gentiment enculer. J'appelle le service VIP, dispo 24/24, mes couilles sur vos fronts, tu vois. Et là, je leur dis, les gars, moi je commence à en avoir ras le cul. Je veux que demain matin, vous arrêtez de m'envoyer des pack-pack là, parce que les mecs qui toquent à la porte et qui parlent pas un mot français. Alors les gars, qu'on soit bien d'accord, faut du boulot pour tout le monde, hein, d'accord? J'ai rien contre les gens en soi, y a aucun souci. Sauf que les dernières personnes à être intervenues, ils savait pas dire le mot bonjour. Je lui dis bonjour, il me répond pas. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Il est muet, il y a un problème. Peut-être il veut qu'on se batte, octogone, j'en sais rien. La Tunisie, ça va pas le faire, frère. Sauf qu'au bout d'un moment, le problème c'est que bah moi je suis un client, j'ai un problème. Faut qu'on parle le même langage, frérot. Parce que moi je les paye, moi, mon pote, tu vois, les problèmes. Faut savoir qu'un jour où je ne peux pas live parce que je n'ai pas internet, ah les gars, c'est sûrement des milliers d'euros de perdus, les potes, ok? Donc, le mec, hier au téléphone dans la cellule VIP, je cesserai de rappeler que j'ai le bras long quand même. Je lui dis maintenant vous arrêtez les conneries. Vous prenez une putain de camionnette SFR. Si c'est ça, moi je vous loue une camionnette, j'en ai rien à branler. Vous faites Paris 45 et vous vous dépêchez. Il me propose des heures de rendez-vous, j'ai pris la première, j'ai dit vas-y 8h, j'ai pas dormi de la nuit, je m'en battais les couilles. En attendant, Jojo, en parallèle, il m'a appelé, il a pris soin de moi le frérot. Il me dit ouais gros, j'ai appris que t'as pas de connexion internet. Je lui dis non, effectivement, là c'est la merde, bon bah c'est pas grave, je regarde Top Chef. Je lui dis, et toi Jojo, quoi de beau, est-ce que t'es avec la racaille nantaise en train de me taillader le dos ou... Il m'a dit, y a pas de souci mon frérot, je vous aime et tout. C'est Jojo, il était là, il commençait à me prendre le pénis et tout à travers le téléphone, ça me fait plaisir. C'est un frérot, tu vois ce que je veux dire, j'ai dans mon cœur. Donc, je dis ok, mon Jojo, y a pas de souci. Je lui dis bah, passe une bonne soirée et tout, joue bien Apex et tout. Donc, ça, c'était le petit aparté pour dire que Jojo, c'est le bro. 8h du mat, il débarque à 3. Je fais ok, ça va. Là, ils ont l'air chargés. Le mec, clairement, il met le truc en jeu. Il me fait moi, je suis le gars qu'on appelle quand c'est chiant. Et clairement, il a dit les autres équipes, c'est de la sous-traitance, c'est de la merde. C'est lui, en gros, c'est le boss des Tecos. Tecos, c'est quoi? C'est un technicien, tout simplement. Il me dit moi, je suis boss des boss, je suis boss final. Il a réglé le problème. Et le problème est tout con. Quand vous avez internet, une connexion internet, vous êtes relié à ce qu'on appelle une armoire, d'accord? Une armoire fibre. C'est le concept est le même à peu près pour tout le monde. Le problème, c'est que en fait, à chaque fois que quelqu'un a installé la fibre optique dans sa maison, les mecs allaient à l'armoire. Parce qu'ils doivent aller à l'armoire et mettre une position. Chaque connexion internet indépendante a une position dans l'armoire, d'accord? C'est des grandes armoires. Hein, c'est pas l'armoire, tu l'ouvres, c'est la commode à Bloody, c'est Narnia, cousin. Non. Donc, tu ouvres l'armoire, une fois que tu es relié à une position, ils appellent la centrale SFR. Si quelqu'un change ta position, c'est mort, t'as pas internet.
internet, il n'y a plus rien et tout, faut rappeler la centrale pour dire bah le client a 772, je l'ai mis en position 13, t'as compris? Moi, le truc c'est qu'à chaque fois que quelqu'un a installé la fibre, il y a un putain de technicien, ce fils de pute, et je m'en bats les couilles les gars. La vie de ma mère, si t'es en live et que t'as un problème et que tu veux qu'on se batte en octogone direct, écoute-moi bien sale chien. Il y a un technicien totalement sûrement débile, vraiment un singe le gars, à chaque fois que quelqu'un installer la fibre optique dans la ville, d'accord, il changeait ma position, il me retirait de l'armoire et il mettait une position random, ce fils de pute. Ça fait que lui, c'est des sous-traitants, ils s'en battent les couilles. Lui, les nouveaux clients, boum, ils étaient reliés, ils avaient internet, tout allait bien, Psartec, et moi, bah, je me faisais baiser à chaque fois. Ça fait qu'en fait, toutes les semaines, pendant des mois, les techniciens me débranchaient d'une position, j'étais la pute, en fait, j'étais la salope, je naviguais comme un colis, pour que les nouveaux aient une connexion internet. Même les mecs étaient là, ouais, non, j'avoue, là, c'est trop, non. Je leur ai montré les SMS, ils m'ont dit non là vraiment là c'est trop, c'est pas possible. Oh, on a mis une étiquette comme sur votre boîte postale où il y a écrit ne pas toucher pour pas qu'un chien vienne et le touche encore. Si ça se reproduit une fois, je veux une pancarte, je veux des signalisations où il y a écrit ne pas toucher ou tu meurs en fait, genre vraiment. Donc il s'est passé que j'ai rappelé le service VIP aujourd'hui. J'ai dit bon, mon problème il est réglé. On a mis une étiquette sur le câble. La prochaine fois, bah ça se repassera pas. Parce que je vois plein de gens qui me disent ouais mais B-Boy, mais quitte SFR et tout. Les gars, c'est de la sous-traitance, d'accord? Que tu sois chez Orange, chez Free, c'est de la sous-traitance. Les armoires seront les mêmes, d'accord? Et les sous-traitants. Vous me faites vomir, là je commence à vomir, ça m'énerve, d'accord? Donc c'est partout pareil. J'ai été chez tous les opérateurs, j'ai été chez Free pendant 4 ans, j'ai été chez Orange pendant 4 ans, et là je suis chez SFR depuis 2 ans, j'ai eu des couilles avec tout le monde. Mais bref, j'ai rappelé le service SFR, le mec il m'a dit je vous rappelle demain, on va attendre un petit peu, on va attendre 24 heures, et demain on parle business, d'accord? Il m'a dit en gros on parle commercial, on va voir quel mois je vous rembourse, quel mois je vous rembourse pas. J'ai dit oh là là, il m'a dit on va voir, enfin on va vous rembourser les mois où vous avez eu des problèmes. Je dis ouais mais frérot tu me rembourses un an et demi cousin, ça va te coûter cher hein. Tu me rembourses juste les 2-3 derniers mois. Ah les 3 derniers mois parce que c'est parce que je pars au Japon, je vais avoir besoin de l'OV, tu vois. On va prier pour que ça reste, on va prier pour que ça dure, qu'il y ait plus d'emmerde tout simplement. Et j'espère ne plus jamais rappeler la cellule VIP, même si à mon avis dans une ou deux semaines c'est possible que je vous dise oh, mais là j'ai plus internet.